content d'être là pour la première fois. Donc on représente le lycée Descartes de Fécamp. Donc c'est la première présentation du lycée professionnel. Donc là ce soir j'ai 4 élèves, donc c'est une classe de 12. Donc ils ont réalisé la soupe mercredi. Donc tous ensemble, on a fait des essais aussi avec l'IMPRO, une classe de l'IMPRO qui est venue avec nous. Et là, le concours pour la 7e édition correspond totalement à leur cours. Donc à la fois produire la soupe et aussi le service. Donc ils sont ravis de vous servir ce soir. Le projet est construit sur l'année. Ils ont eux-mêmes choisi leur soupe, les ingrédients de leur soupe avec des légumes de saison. Représenter la Normandie avec la crème, le lait. Et nous allons aussi, la crème est à base de moules. Donc du coup, pour Fécamp, le côté Fécamp, donc ils ont eux-mêmes choisi. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde. Cette année, nous avons la chance de ne pas avoir trop d'eau et 28 soupes en concours. Donc la louche d'or a été remise en jeu par Desjardins Solidaires. Et là, tout le monde est enthousiaste, tout le monde se dispute la victoire. Donc on va voir d'ici une heure, on verra qui remporte la louche d'or cette année. Très convivial, très agréable et ça fait bouger Fécamp, c'est très sympa. Effectivement, et on y revient tous les ans, on adore ça. Et on vote pour la 27. On le voit tous les ans et tous les ans il y a encore un peu plus de monde. Même les enfants s'amusent et vraiment c'est ça qui est bien. C'est une fête pour tout le monde, tous les âges et c'est super. Pour le premier, là le suspense est à son comble, c'est le lycée Descartes. Bravo à tous nos jeunes qui se sont réunis. Le lycée Descartes est vainqueur de la 7e édition. Première année en PSR et c'est la première fois qu'on fait ce concours et on est très 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 content de notre participation.